Bonjour à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. J'avais déjà fait une vidéo sur les catcheurs KO sur un ring, mais malheureusement elle avait été strike à cause de droits d'auteur, et je trouvais ça dommage, donc j'ai décidé de refaire cette vidéo. Allez, on est parti sans plus attendre. 10. Finn Balor. Lors de l'épisode de Raw du 8 avril 2019, le Demon Finn Balor affrontait le Maharaja Jinder Mahal. Après un échange de coups, Finn Balor va rebondir contre les cordes avant de se prendre un avant-bras en pleine tête. Dans le ralenti, on peut vraiment voir l'onde de choc qu'il a reçue. Il va retomber juste après durement sur le sol du ring. Il pourra se relever quelques secondes plus tard, un peu sonné et continuer le match. 9. Stone Cold. Vous vous êtes sûrement déjà pris un coup dans la mâchoire et vous savez à quel point ça fait mal. Eh bien Stone Cold en a aussi fait les frais lors d'un match face aux Deadmen. L'Undertaker va projeter Stone Cold dans les cordes avant de se baisser. Stone Cold va alors profiter de ce moment pour porter un coup de pied sur le Deadmen, qui va donc se relever brutalement et taper la mâchoire de Stone Cold. Steve Austin va donc littéralement se manger le crâne de l'Undertaker. Il va alors tomber au sol et aura du mal à se relever, mais continuera malgré tout le match. 8. Enzo Amore. Enzo Amore et Big Cass affrontaient les vaudevillains durant Payback 2016. Simon Gotch va envoyer Enzo en dehors du ring, mais il va rebondir violemment sur les cordes avant que sa tête ne heurte brutalement le ring. Enzo sera complètement KO et sera conduit à l'hôpital durant la soirée. 7. Brad Maddox. Lors d'une promo avec le Big Show, Brad Maddox va se prendre un coup d'une grande violence. Big Show était sur le ring alors qu'il s'était fait virer par Stephanie McMahon auparavant. Brad Maddox va donc arriver furieux en ordonnant au Big Show de quitter le bâtiment, en lui rappelant qu'il avait déjà tout perdu. Le Big Show va alors répondre que de toute façon il n'a rien de plus à perdre, avant de faire son knockout punch sur Brad Maddox. Le coup a été si violent que toute l'arène a pu entendre le claquement. Brad va alors retomber KO sur le ring et ne se relèvera qu'après que des arbitres lui viennent en aide. 6. Daniel Bryan. Lors du SmackDown du 19 août 2011, Daniel Bryan affrontait Alberto va envoyer Daniel dans le coin du ring. Bryan va alors chuter au sol et Alberto va en profiter pour lui mettre un coup de pied qui va accidentellement le heurter violemment. Alberto Del Rio va alors faire un tombé et Bryan aura du mal à s'en dégager. Il sera inconscient pendant plusieurs secondes avant de petit à petit reprendre ses esprits et continuer le match. 5. Shane McMahon. Vous connaissez probablement ce moment qui a eu lieu durant les Survivor Series de 2016. Shane va tenter de faire son coast-to-coast depuis la troisième corde, mais Roman Reigns va le contrer en faisant un spear monstrueux. La tête de Shane McMahon va heurter violemment le sol. Il souffrira d'une commotion cérébrale et devra quitter le match juste après. Quelque chose d'assez sympa à savoir, c'est que Randy Orton va briser la gimmick de son personnage de heel pour aller rassurer l'un des fils de Shane. 4. Liv Morgan. Lors du Raw du 24 septembre 2018, Natalia et les Bella Twins affrontaient le Riot Squad. Liv Morgan faisait face à Brie Bella et après une série de coups de pied, Brie Bella va accidentellement frapper Liv Morgan à deux reprises au niveau de la tête. La catcheuse va alors s'écrouler sur le sol et sera complètement sonnée pendant plusieurs minutes. Elle souffrira d'une commotion cérébrale. 3. Kurt Angle. Durant SummerSlam 2000, The Rock, Triple H et Kurt Angle s'affrontaient. Triple H va tenter de faire un pedigree sur la table des commentateurs. Malheureusement, la table ne va pas tenir le coup et va s'écrouler en avance. La chute n'était donc pas prévue et les deux catcheurs vont tomber assez violemment. Malheureusement pour Kurt Angle, sa tête va heurter le sol et le mettre KO instantanément. Le choc a été tel que Triple H va même contrôler si Kurt Angle va bien. 2. Ricky Steamboat. Ricky Steamboat affrontait Jake Roberts lors de Saturday Night Main Event le 3 mai 1986. Jake Roberts, qui a donc inventé le DDT, va faire sa prise sur Ricky en dehors du ring. La tête de Ricky Steamboat va être envoyée trop violemment sur le sol en béton, et il sera alors KO. Cela n'a pas semblé déranger Jake Roberts, qui va récupérer Ricky comme un vulgaire sac à patates, pour le remettre dans le ring, avant de lui étaler un serpent sur le visage. Et enfin, en première position, Chavo Guerrero. Là, je pense que c'est l'un des knockouts les plus impressionnants. C'était durant le SmackDown du 26 août 2004, et Billy Kidman va effectuer un Shooting Star Press sur Chavo Guerrero. Malheureusement, il ne va pas le faire droit et son genou va retomber très violemment sur la tête de Chavo. Il sera alors complètement KO, et quand Billy Kidman fera un tombé, on pourra voir les jambes de Chavo Guerrero avoir un mouvement pas du tout naturel. C'est vraiment très impressionnant à voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. D'ici là, nous on se revoit très vite pour de prochaines vidéos. C'était Wiz, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.